lui. Je ferai simplement trois remarques. La première, qu'il s'agisse d'une question de perception ou de réalité, on ressent généralement aujourd'hui une régression sociale inacceptable. Et cette régression sociale, aujourd'hui, elle se ressent particulièrement là où ça fait le plus mal, c'est-à-dire dans l'école. Et ce n'est pas un problème de privé et de public, et ce n'est pas un problème de tel et tel problème. Nous avons une école qui est non pas malade de ses méthodes et de ses outils, mais avant tout malade de ses inégalités. Et donc, point numéro deux, on ne peut pas se concentrer aujourd'hui sur les bobos des élites, sur les petits problèmes des élites. Notre problème aujourd'hui, c'est comment faire pour qu'à la fois nous verrouillons l'excellence des élites et nous améliorons nettement la qualité des enseignements pour tous, l'un avec l'autre. Même si la priorité aujourd'hui n'est pas seulement de gagner un demi-point sur le classement de Shanghai, mais avant tout d'éviter, et je partage pleinement ce que dit Richard Descoings, éviter que ça pète. Parce que franchement, un point de plus ou de moins dans le classement de Shanghai, on s'en fout, mais quand ça pète, on s'en foutra pas. Troisième point, je crois que par contre, nous sommes confrontés à quelque chose d'assez difficile, qui est que le système scolaire unique qui s'adaptait à tous, aujourd'hui, doit évoluer vers des systèmes qui s'adaptent à des profils différents. Vous avez aujourd'hui dans une de nos écoles, et je ne suis pas là pour faire de la pub, mais qui est une école d'informatique formidable et qui n'a pas le titre d'ingénieur, des gens qui sont passionnés. Nous ne regardons pas leur livret scolaire. Ils ont le bac, point, barre. Ce qu'on leur demande, c'est une passion de l'informatique. Comme par hasard, on s'aperçoit que les profils sociaux sont des profils plutôt populaires et moyens parce que, effectivement, leur culture n'est pas la culture classique attendue pour les prépas. Tant mieux. Donc, si nous avons une diversité des propositions de filières et qu'ils soient aussi valorisées les unes que les autres et pas faire à nouveau des voies de garage, si nous considérons que la priorité, c'est avant tout l'amélioration massive, et troisième point, si nous considérons effectivement que cette régression sociale est le principal danger, honnêtement, le problème des quotas, c'est vraiment foutaise. Merci Marc Grilège. Shanghai. Shanghai, pour le classement de Shanghai, pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas familiers de la chose, c'est pas une délocalisation du championnat de France, c'est le classement des universités mondiales, qui est un classement très débattu parce qu'il est effectué selon un certain nombre de critères qui ne sont pas forcément les critères dont on voulait en France, mais enfin bref, il fait référence aujourd'hui. Une question, Bertrand. J'aimerais bien d'ailleurs qu'on n'y passe pas un temps fou, mais finalement, comme vous avez rapporté un certain nombre de réformes qui sont en cours, je crois que cette question ne peut pas ne pas être formulée, même si j'aimerais qu'après on passe à autre chose. Oui, voilà, c'est que depuis tout à l'heure, je vois, enfin, vous parliez de l'innovation ordinaire, mais moi, je trouve qu'il y a une question qui n'a pas été posée, c'est celle des moyens. C'est que on veut innover, on a envie que, à vous écouter, on a l'impression qu'on a tous les instruments pour savoir ce qu'il faut finalement pour notre éducation, pour faire réussir notre école, mais la question des moyens n'est pas posée. Et bizarrement, moi, ce qui me choque, c'est qu'ici, on a un représentant du secteur privé et vous du secteur public. Et cette personne peut aujourd'hui dire qu'elle innove beaucoup plus que vous en termes d'éducation, alors que vous représentez l'État, ce que je trouve attristant finalement. Enfin, sous le contrôle de la personne en question, elle n'a pas dit qu'elle innovait plus que l'État. Hein. Non, non, surtout pas. Non, mais je veux dire en termes de recherche. Je comprends ce que vous voulez dire. Oui, je crois qu'elle est pour vous, Jean-Michel Blanquer. Oui. Au hasard. Bon, c'est vrai, je représente l'éducation nationale et j'en suis fier. Il y a cette image de l'éducation nationale qui est sous-jacente à votre question et qui est tout simplement fausse, et qui est que l'éducation nationale est incapable d'innovation, que c'est un mammouth. Ça, c'est une phrase qui a été dite il y a 12 ans maintenant. On suppose des tas de choses sur l'éducation nationale qui sont tout à fait fausses. Et si j'avais le temps, il en faut beaucoup, je pourrais prouver à quel point l'éducation nationale est réactive. Je vais vous donner deux exemples. Et je voudrais vraiment vous dire que non seulement le secteur public n'est pas moins innovant que le secteur privé, mais, et même si je sais qu'il y a des gens du secteur privé dans la salle, souvent le secteur public est plus innovant que le secteur privé. Je vais vous donner quelques exemples, je ne peux pas parler de tout cela. D'abord, aujourd'hui, tout collégien de France, hein, il y a à peu près 800 000 élèves par année, donc les collégiens de France, ça fait à peu près 3 200 000 élèves aujourd'hui, un peu moins, eh bien, tout collégien de France aujourd'hui se voit proposer, s'il le souhaite ou si sa famille le souhaite, 2 heures d'aide personnalisée ou de culture ou de sport de 16h à 18h. Cette mesure, elle est vieille de 2 ans. L'éducation nationale a mis ça en œuvre en 3 mois. C'est-à-dire qu'en 3 mois, il a été possible de remuer la France entière, tous les principaux de collège, les professeurs,
pour mettre en œuvre cette mesure. Je ne connais aucun système privé, public au monde qui est capable de faire une chose pareille en aussi peu de temps et qui est aujourd'hui une réalité concrète dont personne ne parle, mais qui est une réalité qui a changé les choses, modestement peut-être, sur un point seulement, parce qu'il n'y a jamais une formule unique pour changer les choses, mais c'est quelque chose qui a changé en France depuis 2 ans. Et d'ailleurs, conformément à ce qui a été dit tout à l'heure, je souhaite qu'on parle aussi un petit peu de ce qui marche en France aujourd'hui, qu'on ne soit pas dans un discours de la désespérance, parce qu'en réalité, il y a un certain nombre de sujets qui avancent et qui montrent, au contraire, beaucoup d'innovation et aussi de capacité à consolider les choses qui marchent. Alors, 2 autres exemples d'innovation, je pourrais vous en donner beaucoup. Jean-Pierre Rosenzweig, tout à l'heure, a insisté à juste titre sur la question de la famille, parce que l'école peut des choses, mais elle ne le peut que si ses valeurs convergent avec les valeurs de la famille, et s'il y a association entre les deux très forte, si on est ensemble pour élever l'enfant. Eh bien, ces derniers temps, l'Éducation nationale a lancé une série d'expérimentations. L'une d'entre elles s'appelle la mallette des parents, et consiste à faire qu'il y ait des modules de formation pour les parents d'élèves, plusieurs fois donc dans le trimestre, de façon à mieux faire connaître l'école aux parents, à leur expliquer les enjeux de l'éducation, par exemple les questions des devoirs à la maison, et expliquer aussi des choses, répondre à des questions courantes que les parents se posent. Et pour certains parents, notamment des parents donc issus de l'immigration, qui parfois ne sont pas francophones, parfois n'ont pas fréquenté l'école française, eh bien ces choses-là sont clés. Nous les mesurons de façon scientifique, les effets de ces mesures-là. Et donc nous savons mesurer l'impact très positif qu'elles ont sur la réussite des élèves, et nous sommes en train de généraliser cette mesure, c'est-à-dire de l'étendre globalement. Je vous donne un autre exemple de réactivité et d'innovation, très rapidement, mais parce que je deviens forcément prolixe quand on parle d'innovation. C'est pour ça que je me permets d'intervenir. Les internats d'excellence, c'est une mesure qui consiste aujourd'hui à prendre des élèves qui peuvent être moyens sur le plan scolaire, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, ou bien réussir, ou bref, des élèves ordinaires, mais qui ont des conditions familiales difficiles et qui ne peuvent pas réussir eu égard aux conditions familiales qu'ils connaissent. Eh bien, nous leur proposons d'aller dans des internats d'excellence, qui souvent sont à 1 heure ou 2 de leur domicile, et on leur donne là des conditions non seulement scolaires rigoureuses, mais aussi des conditions éducatives assez idéales, c'est-à-dire sport, culture, ouverture au monde, notamment dans la tranche qui va de 16h à 20h, et donc un rythme de vie et des conditions qui leur permettent de réussir. Et ça, on a réussi à ouvrir le premier internat d'excellence en 6 mois, c'est en train de bénéficier à quelques centaines d'élèves aujourd'hui. Dès la rentrée prochaine, il y en a 11 de plus en France, à la rentrée suivante, il y en aura 30, et c'est 20 000 élèves qui vont bénéficier de cette mesure en France. Alors, chacun des points que je vous dis ne va pas être la solution aux problèmes qui sont posés ici, mais c'est cette batterie de mesures, les unes à côté des autres, en ayant une vision globale cohérente, qui permettent de répondre à cela, et qui permettent aussi de montrer, je crois, de se dire en tout cas que il n'y a pas d'inertie, il n'y a pas une éducation nationale qui serait une espèce de mammouth immobile, plus immobile que ne le seraient des petites structures privées très, très innovantes, mais au contraire, une structure qui a aujourd'hui les idées claires et qui est consciente d'un certain nombre de problèmes comme ceux qui ont été posés et se donne les moyens de les résoudre, mais avec évidemment le temps qu'il faut pour cela. Tout le monde veut la parole, je vais vous la donner, on va essayer de la faire tourner. Il y avait un côté moyen dans la question quand même. Alors, Jean-Pierre Rosenzweig, Marc Drillège, Richard Descoix. Et si vous estimez que la réponse n'est pas complète, vous compléterez Jean-Michel Blanquer. Question qui se pose, vous le savez, dans l'actualité, puisqu'il y a eu des suppressions de postes extrêmement significatives ces dernières années. Je voudrais insister sur un point, sur cette question des moyens, mais en étant bien compris. C'est pas moi qui vais dire qu'il ne faut pas un certain nombre de moyens. Et si on veut, comme je disais tout à l'heure, qu'il y ait des hommes plutôt que des murs, on sait que les hommes coûtent plus cher que les murs, et il faut à la fois les chercher, les trouver, les former, les rémunérer. Mais tout ne passe pas par des problèmes d'argent, et c'est important de le dire aussi maintenant. Il faut tenir les deux. Surtout dans la conjoncture économique qui fait que les finances publiques, c'est-à-dire nos impôts, sont quand même en grande difficulté. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer de plus des moyens dont on dispose? Et sur l'exemple que je prenais tout à l'heure, mettre du social dans l'école, et notamment dans le primaire. Il y a 3 stratégies possibles.
Les deux premières vont dans le mur. Première, attendre que l'État augmente les services sociaux scolaires, médecins, assistantes sociales, etc. Ça a été fait deux fois dans l'histoire de France récente, une fois par Jospin, une fois par Bayrou, terminado. L'État ne pourra pas faire plus. Deuxièmement, attendre que les collectivités locales fassent plus, elles sont au taquet, à preuve le débat politique à l'heure actuelle. Donc la question... Et l'une d'entre elles qui vient de voter de voter un budget en déficit. Vous avez raison. Le Conseil général de Seine-Saint-Denis. Vous avez raison. Je cherchais à être elliptique pour être rapide. Mais vous avez raison comme journaliste. Troisième point, la troisième stratégie, c'est celle qui est entre guillemets révolutionnaire. C'est celle de dire à l'État et aux collectivités locales, on a un problème commun, ou plus exactement, on entre l'un et l'autre avec des enjeux différents sur ce problème, le social à l'école, comment on peut s'associer. Moi, école, moi, éducation nationale, j'ai intérêt à ce que les gosses aient passé une bonne nuit, qu'ils soient disponibles le matin pour, j'allais dire, cette éponge dans laquelle je vais essayer de déverser du savoir. Or, je sais qu'ils sont en grande difficulté. Mais moi, social, j'ai besoin de trouver les gosses qui sont en grande difficulté. Je ne les trouve pas dans la cité, je ne les trouve pas dans les caves, mais ils viennent chez toi, comme ils vont d'ailleurs à l'hôpital. C'est deux grands carrefours où tous les enfants de France passent. Notre intérêt commun, c'est de renforcer la force du social dans l'école. Moi, État, en t'accueillant, et toi, Conseil général, en investissant dans l'école. Il faut donc passer des conventions État, Conseil généraux. Ce qui suppose, petit un, qu'il y ait une confiance entre l'État et les conseils généraux, ce qui suppose aussi que certains corporatismes professionnels s'atténuent. Il faut oser le dire. Or, dans ce pays, chacun défend sa citadelle. Globalement, et c'est le juge qui est provocateur, chacun est pour la défense de l'institution et personne ne se préoccupe des gosses. Je voudrais répondre à la question des moyens. Je n'ai pas de responsabilité actuelle, mais j'ai servi un gouvernement, le Premier ministre est un Lionel Jospin. Moi, j'ai servi d'abord le ministre du Budget, et puis après le ministre de l'Éducation nationale. Des moyens, on en a mis, mais alors, plein. Je suis allé dans 76 départements au 1er septembre 2009. Je suis allé dans 80 lycées. J'ai passé beaucoup de temps dans chacun. Le problème des moyens n'est pas un problème quantitatif global, c'est un problème qualitatif de répartition. Et on se bat dans notre pays sur plus 10 000, moins 10 000 postes globalement, alors que ce dont on parle, c'est du qualitatif. Alors, du qualitatif et de la répartition. Aujourd'hui, les moyens sont concentrés là où ça va le mieux. Et on en rajoute quand on en a plus, là où ça en va le mieux. Et quand on en retire, on en retire parfois, pas toujours, monsieur le directeur général, là où ça va moins bien. Mais les parents et les élèves qui défendent le mieux les moyens, c'est pas ceux qui défilent dans la rue, c'est ceux qui décrochent le téléphone. Les lycées les plus durs, quand je me suis baladé en France, c'est pas les lycées qui allaient mal. Ah, c'est les beaux lycées, les centres-villes. Alors on me disait deux choses. On n'a pas de problème de moyens. Il faut juste empêcher ces gens qui ont été pris à la fin du collège de venir au lycée. Ils coûtent. Ça coûte, ça fait des classes à 35 élèves. Ça, c'est insupportable. Et puis deuxièmement, là où c'était le plus dur, par quoi j'étais accueilli ? Pas par des gens qui me disaient « il n'y a pas assez de moyens, Sarkozy, affreux ». C'est pas le mot qui disait. Non, c'est « touche pas à mes options ». Qu'est-ce qui coûte cher au lycée, dans sa voie générale ? C'est les options, c'est les langues rarement étudiées. Qui bénéficie des options et des langues rarement étudiées ? C'est toujours les mêmes CSP. Et qui est-ce qui souffre le plus des classes à 35 élèves, parfois plus ? C'est ceux qui peuvent pas être aidés, parfois, par leurs parents, parce que leurs parents peuvent eux-mêmes pas, ou qui n'ont pas toujours les moyens d'avoir le petit prof qui vient à domicile ou qui ont les moyens d'inscrire à côté. Donc c'est le problème des moyens, c'est bien sympa, mais il faut savoir que ceux qui utilisent le mieux la question des moyens, c'est ceux qui en profitent le plus. Donc la question des moyens, c'est qualitatif et pas quantitatif, et c'est une question de répartition, c'est pas une question de masse nationale. J'étais assez vite.
Je vais proposer à Florian, puisque c'est également un sujet qui a été abordé, Florian qui est à la fois étudiant, mais qui est également président d'Animafac, qui est une fédération d'associations étudiantes, qui a été créée maintenant, je pense, il y a une quinzaine d'années en France, parce qu'il avait une question qui fait le lien entre finalement ce dont on parle depuis tout à l'heure et le souci sous-jacent, qui est le lien avec la société, le lien éducation-société. Merci. Donc, bonjour, Florian Prussac, en effet, président d'un réseau de 12 000 assos étudiantes à travers la France. Et cette question, elle se pose, je ne sais pas trop par quelle porte d'entrée l'aborder, puisqu'il a été mis en lumière la question de la confiance en soi tout à l'heure et de la socialisation du droit à la culture. Vous mettiez en exergue, monsieur, le droit au sport, les 2 heures de sport, d'accès à la culture le soir. C'est une question que vous mettez aussi, monsieur Descoings, en lumière dans votre rapport, qui est un des piliers, un des objectifs du lycée qui doit être l'accès à la citoyenneté dans son sens large. Donc une des questions que je voudrais vous poser, c'est comment est-ce qu'on met en œuvre concrètement cet accès à la citoyenneté? Quelle place pour l'environnement au sein des collèges, des lycées, c'est-à-dire notamment le monde associatif, quel travail avec les associations partenaires de l'école, complémentaires de l'école? Voilà, c'est un petit peu comment est-ce que concrètement on travaille à cette mise en œuvre de la citoyenneté, cet accès à la culture et à la place dans la société aussi des jeunes. Merci. Allez, Marc Drillège, Jean-Pierre Rosenweg aura un mot à dire. Je voudrais simplement... votre question, elle est très vaste, vous l'avez compris. Je dirais aujourd'hui, en tout cas dans l'enseignement supérieur, la vie associative, c'est-à-dire au fond tout ce qui tourne autour de l'esprit d'entreprendre, est relativement mal compris et relativement mal évalué. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose d'important. Voilà, ça ne rentre pas dans les classements, ça ne rentre pas dans le système. Or, sans doute, l'une des faiblesses que nous avons aujourd'hui, c'est la capacité que nous avons à faire que les étudiants soient aussi des gens qui entreprennent, des gens qui se fondent sur des projets, des gens qui ne soient pas simplement des consommateurs de connaissances et qui, effectivement, ne reproduisent pas le système. Pour cela, bah forcément, il faut laisser le droit à l'initiative, il faut laisser du temps, il faut casser les rythmes, il ne faut pas rentrer dans les logiques que nous avons aujourd'hui, qui amènent donc à une réflexion, pas une révolution, une réflexion sur comment favoriser le projet individuel. Je donne un autre exemple. Quel handicap terrible pour un élève après le bac, s'il décide de partir un an, vous visiter le monde. Mais c'est terrible, il est foutu dans notre système. Il prend une décision formidable. Plutôt que de rentrer dans le système supérieur, je vais voir le monde. Quand il revient, ah ben, je suis désolé, c'était l'année dernière qu'il fallait vous inscrire en prépa. On vous l'avait dit. Eh ben, allez à la fac. Ou allez dans le privé si vos parents peuvent le payer. Alors qu'il vient de faire quelque chose de formidable que d'autres pays valorisent. Donc, notre système aujourd'hui a un petit problème, un peu avec l'entreprise, même pas mal, et un peu avec l'entreprendre. Avec l'idée que les études supérieures ne sont pas simplement de la consommation de connaissances, mais de l'acquisition de compétences, de la transformation de personnalité, du travail en équipe, des projets qui sont menés. Moi, je crois que réussir un concert de rock à 2000 personnes qui va mobiliser 4 étudiants pendant un an, ça vous apprend 10 fois plus sur le marketing et l'économie que de relire les 400 pages du Kotler, en général, si c'est en plus l'édition d'il y a 10 ans. Voilà. Jean-Pierre Rosenweg. Ça va fonctionner. Ça fonctionne. Je vais essayer de répondre à la question, mais d'une manière subjective et limitée. Mais un mot simplement sur l'intervention précédente sur les moyens. L'expérience a été démontrée qu'on pouvait, en coalisant les capacités des uns et des autres, les autres susciter un plus. Regardez les opérations en direction des jeunes en difficulté que nous avons inventées en 1981 et qui durent depuis 20 ans. Elles auraient dû disparaître. De mon point de vue, l'imagination au pouvoir, ce n'était pas pour que ça soit inscrit au plan, c'était pour endiguer un certain nombre de choses. Eh bien, c'était avec 0 franc, 0 centime. La réforme que nous avons faite dans la justice à partir de Bobigny en 92, c'est à loi égale, avec 0 franc, 0 centime, mais en travaillant autrement. Ce qui ne veut pas dire qu'après, il ne faille pas un service après-vente financier pour s'inscrire dans la durée, parce que ce pays, on sait innover, mais s'inscrire dans la durée, c'est plus dur. Pour répondre à la question sur la citoyenneté, j'ai conscience dans ce que je vais dire de ne répondre qu'à un tout petit bout du problème et d'une manière, comme il faut être rapide, un petit peu polémique. La question qui est posée, c'est notamment celle du droit et des devoirs et de la sensibilisation des membres de la communauté éducative, dans lequel je mets les enfants, mais dans lequel je mets aussi les enseignants et dans lequel je mets aussi les parents, de ce qu'est la citoyenneté, de la culture des institutions, du statut des personnes, des droits et des devoirs. Actuellement, on parle plutôt des droits que des devoirs.
des devoirs, pardon, que des droits. Vous direz, c'est normal, l'éducation nationale. Mais enfin, quand même, au passage, on a réussi à inventer que la garde à vue pour les moins de 13 ans, ça s'appelait la retenue. C'est assez fantastique, quand même. En tout cas, une des questions qui est posée, et je vais faire un test, je vais la faire à vous. Quand je vous parle d'un décret de janvier 91, ça vous évoque quoi? Rien. Vous non plus. Il n'a pas été abrogé, hein. Directeur de l'éducation, je ne vais pas le faire le test. Mais ça s'arrête ici, c'est marrant. Mais, non, c'est pas pour piéger, c'est pour être. C'est quoi? C'est le décret qui a été pris après les émeutes de 1990 dans les rues, où les jeunes nous disaient à la population, aux politiques, on n'a pas notre place dans l'école, on n'est pas repris en compte en tant que tel. Sur les décrets, à ce moment-là, le journaliste, ça arrive. Absolument. Le journaliste, sur l'expression lycéenne. Voilà, et bien, exactement. Merci. Qui se souvient encore de ce décret? Et des quatre circulaires d'application avec la liberté de parole, la liberté de réunion, et avec cette idée que plus les enfants seront investis dans leurs droits, plus ils respecteront l'institution. Dans les pays où il y a du syndicalisme fort, il n'y a pas de révolution et on ne craint pas la rue. C'est une banalité, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour protéger la société, il faut valoriser les droits des personnes. Donc je pense qu'effectivement, il y a des démarches à faire qui, là encore, se font pour valoriser. Elles se font, on n'en parle pas suffisamment. Hier, en Seine-Saint-Denis, avec l'inspecteur d'académie, nous avons organisé, vendredi, un tribunal portes ouvertes uniquement à 500 enfants, avec forum sur la liberté de parole dans la justice, en matière pénale, mais aussi en matière civile, quand les parents divorcent, avec 10 procès reconstitués, avec un concours d'expression, etc., avec cette idée de montrer aux enfants une autre représentation de la justice que celle qu'ils ont, à travers le on-dit ou à travers la télévision, et aussi réfléchir sur le thème droit et devoir. En d'autres termes, à travers des procès reconstitués, à travers des boîtes de jeux qu'on a diffusées, des interventions dans l'établissement scolaire, on peut effectivement faire passer une culture du droit, notamment, mais, et ne plus en être à la situation qui était encore celle il y a quelque temps, où le fait que, par exemple, sur un conseil de discipline, un jeune se présente avec un avocat, c'était mal vécu. Alors, ça suppose, j'allais dire, qu'il y a une culture, j'allais dire, de la citoyenneté et une pratique de la citoyenneté dans l'établissement scolaire. Ce qui ne veut pas dire la cogestion, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus un chef d'établissement. Et de mon point de vue, je termine en une phrase, la cible, ce n'est pas les gosses, c'est d'abord les adultes. C'est quand les adultes seront convaincus que les élèves sont des sujets de droit, eh bien, ils les traiteront, entre guillemets, autrement, et il y aura, entre parenthèses, moins de violence dans les établissements scolaires. Mais je sens qu'on va vous applaudir, là, ça va. C'était également une recommandation du rapport Bauer, qui a été rendu public tout récemment, de l'Observatoire national de la délinquance sur les sanctions et les familles, si je me souviens bien, l'établissement scolaire comme espace de droit. Richard Descoings. Une proposition, une seule, pour que les jeunes aient le sentiment qu'on les prend pour des citoyens, qu'ils puissent participer au conseil de classe. Ça se fait, déjà. J'ai visité deux lycées où ça se fait. On les prend... C'est du Freinet, hein, je vous dis parce qu'il souffle dans mon oreille, Jean-Pierre. Comment? C'est du Freinet. Bah oui, mais ça se fait, j'ai vu deux fois, une fois dans un lycée privé et une fois dans un lycée public, ce qui montre bien que l'innovation peut être dans les deux. Et ça change tout. Et ça change tout, pas tellement du côté des jeunes, mais du côté des adultes. Ils sont obligés de faire attention à ce qu'ils disent. Mais vous voulez dire participer à l'ensemble du conseil de classe, parce que les délégués participent au conseil de classe. Richard Descoings. Vous voulez dire participer à l'ensemble? Non. Chaque à tous élève, les élèves, d'accord. Chaque élève, quand son cas est traité, okay, j'ai compris, pardonnez-moi. Et puis ensuite être là. Parce que les délégués, les élèves, c'est formidable. Sont... On appelle la veille, excusez-moi. On appelle le lendemain, blablabla. Non. Qu'ils soient là et que donc les adultes soient obligés de dire « Vous, monsieur, voilà pourquoi je vous ai mis telle note. Oui, oui, je vous explique. » Et pas simplement « Peut mieux faire. » Jean-Michel Blanquer. Oui, juste deux mots, puisque mon... Il faut mettre du Freinet partout. J'ai pas dit ça non plus. Non, je vous dis ce qui se dit autour de vous. Mon rôle est un peu de parler de l'existant, de ce qu'on essaye quand même de faire sur ces sujets-là. D'abord, en disant que peut-être à la racine de cette question générale de la citoyenneté qui est évoquée, on pointe un problème qui est un problème quand même très saillant en France, qui est le problème de l'individualisme. Il y a un individualisme trop fort. Ce qui est encouragé chez l'enfant en matière de résultats scolaires, c'est d'abord... De réussir très scolairement, individuellement, et pas tellement d'être quelqu'un d'altruiste, quelqu'un qui fait attention qui participe à la collectivité, etc. Et même donc dans nos façons de réagir à ce problème, ne trouvons pas des solutions trop individualistes. De ce point de vue-là, j'essaie de prolonger ce qu'a dit Jean-Pierre Rosenweg, mais avec un codicille, c'est-à-dire que
Le droit, oui, mais attention à ce qu'il ne soit pas au service d'une espèce de juridisme mal conçu. Vous n'avez pas dit ça. Tout à fait, non, mais vous n'avez pas dit ça, mais c'est juste pour préciser. Je pensais notamment aux journaux lycéens, aux fanzines et à toutes les communications. Tout à fait, non, j'entends bien, mais le fait est que quand on dit le droit dans l'établissement, faisons attention à ce qu'on fait, c'est-à-dire que si chacun se transforme en petit défenseur de ses droits, voilà, non seulement on n'aura pas été contre cet individualisme nocif, mais au contraire, on l'aura renforcé encore plus avec les meilleures intentions du monde. En revanche, en effet, tout ce qui va dans le sens d'avoir le sens du droit avec un grand D, c'est-à-dire d'avoir le sens de la justice en fait, et aussi de la participation et de la responsabilité dans la collectivité, notamment dès l'âge du collège et a fortiori à l'âge du lycée, c'est important. Donc quelques éléments vont dans ce sens aujourd'hui. D'abord au collège, parce que dans ce qu'on appelle le socle commun de connaissances et de compétences, qui est très mal connu aujourd'hui alors qu'il est une boussole pour l'éducation nationale, il y a 7 piliers que tout élève doit maîtriser à la fin de sa scolarité. Et les piliers 6 et 7 sont des piliers qui correspondent à cela, c'est-à-dire savoir se responsabiliser, savoir s'impliquer dans la vie collective, etc. Et tout ce qui va avec cela. En second lieu, il y a la réforme du lycée, mais bon, j'en parle à côté de Richard Descoings qui la connaît mieux que personne. La réforme du lycée favorise cela et nous réfléchissons même à une façon de valoriser du point de vue de l'évaluation ce qu'un élève peut faire lorsqu'il s'investit dans la vie collective. De façon générale, dans une société sécularisée comme la nôtre, il n'y a plus de système d'initiation de l'adolescent qui fonctionne encore dans des sociétés différentes. Et nous manquons un peu de cela. Et dans des départements, dans des lieux difficiles comme ceux que Jean-Pierre Rosenweg ou moi connaissons bien, souvent c'est un petit peu la jungle de la cour de récréation qui sert à cette initiation ou des abords de l'établissement. Et ce que nous devons réussir à inventer, puisque c'est le thème de ces journées, c'est d'inventer ce que j'appellerais la bonne initiation, c'est-à-dire le fait qu'on rentre dans l'adolescence avec le sens du collectif, mais pas pour aller dans le gang ou la bande ou je ne sais quoi, ou s'opposer d'un quartier à l'autre, mais pour y entrer par des choses qui permettent de vivre mieux collectivement. Par exemple, le secourisme, l'apprentissage systématique du secourisme à l'école, au collège, c'est quelque chose de très positif. S'engager dans la vie associative, c'est très positif. Il y a d'ailleurs des choses excellente qui se passe en ce moment. Il ne faut pas avoir une vision trop pessimiste des choses sur le sujet, mais nous avons à faire que ce soit systématique dans les collèges et dans les lycées et que les familles soient associées à ça aussi. Merci Jean-Michel Blanquer. Un mot Marc Drilège, ensuite je vais passer la parole à... Je voudrais rajouter à ce que vient de dire Jean-Michel Blanquer que on a peu abordé la question de l'insertion professionnelle et du devenir professionnel des gens, mais on est quand même dans un nouveau monde du travail. On est dans un monde du travail collaboratif, du travail par projet, des équipes transversales. On est dans un monde de l'interdépendance des moyens, des méthodes. On ne travaille plus seul, on ne réussit plus seul. On échoue seul, mais on ne réussit plus seul. Et si l'école n'est pas capable de transformer sa manière de voir les choses, c'est-à-dire de ne plus être dans des silos d'individus contre les individus, mais des gens qui avancent ensemble et qui essayent de travailler ensemble, on aura solutionné une bonne partie de nos emmerdes. Merci. Il nous reste, je regarde très ostensiblement ma montre, c'est pas que je m'ennuie, mais c'est qu'il faut rendre l'antenne à 16h, mais enfin bref. Vous allez m'autoriser, on va les remercier les étudiants du panel, je leur passerai peut-être la parole après, je voudrais qu'on les applaudisse parce qu'ils ont bien travaillé. Florian de l'Université Paris 8, Mehdi de l'IAE de la Sorbonne, Sandra de l'ISEG ainsi que Franz qui est également à l'ISEG, François de Télécom Paris Tech, Bertrand et Eric de l'ISG. Je vous repasse la parole tout à l'heure, mais comme j'ai promis de passer la parole à la salle, je ne peux pas ne pas tenir cette promesse-là. Ce qu'on va peut-être faire, c'est que on va vous donner la parole, on va écouter 3 ou 4 interventions, si vous en êtes d'accord, et chacun s'emparera du fil qui lui semble le plus pertinent. Allez-y, madame. Je vais demander en revanche à chacun de faire preuve de beaucoup de concision. Si c'est possible, on essaiera d'en faire autant. Je vais poser une question qui peut-être aura des pâquerettes, j'assume. Je voulais demander, je n'ignore pas, donc je dis avant tout que c'est un métier difficile de se retrouver. Bon, je vais peut-être parler un petit peu de l'école primaire, je ne peux pas parler de tout peut-être. Voilà. Quand il y a trop d'élèves et que un élève se trouve avec des petits moyens, mais se trouve avoir la chance d'avoir un... Bon, je crois que c'est une chance, mais enfin bon, un QI plutôt élevé et qui s'ennuie à la fin en classe parce que il y a pas assez de personnel. Enfin, j'imagine, on peut pas s'occuper de tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Voilà.
Alors j'ai presque terminé. Par contre, s'il y a un besoin d'aller aux toilettes, comme il n'y a pas assez de personnel, ben personne va aux toilettes dans la classe. Je parle du primaire. Hein. Alors ils ont appris à se retenir. Enfin moi je trouve ça terrible. Donc je suis, pour ça que je dis ça bat des cacrettes, mais je trouve que c'est très important parce que ça veut dire quoi alors? Ça veut dire quoi? Voilà. Merci. J'ai presque fini. Hein. Ah, pardon. Et alors voilà. Au niveau des langues, voyez. Par